Yo les gavalos, on se retrouve dans une nouvelle vidéo routine commentée. Donc c'est une routine après séance, mais je vais quand même vous montrer un tout petit peu avant la séance. Donc après la séance, je commence toujours par lui donner ou des pommes, ou des carottes, ou des petites friandises parce qu'elle le mérite mine de rien. Ensuite, vu qu'il recommence enfin à faire beau, ça y est, c'est le printemps, je vais donner une petite douche. Donc je commence toujours par les postérieurs et je monte progressivement pour pas que ça lui fasse un choc thermique trop gros. Ensuite, je m'amuse toujours avec elle un petit peu à lui mettre le tuyau dans la bouche, non seulement parce que ça l'amuse un peu et en plus ça lui fait boire. Et comme toujours également, je peux pas m'en empêcher, un petit moment câlin et gratouille. Ensuite, je la brosse tout le temps avec cette brosse verte. Alors pourquoi cette brosse verte? Parce qu'elle a des poils longs mais durs. Du coup, ils sont quand même un peu souples et du coup, ça enlève très très bien les poils. Et je lui passe naturellement sur tout le corps. On dit coucou la Titou! Regarde comme elle est jalouse. Coucou Titou! Oui! Ensuite, je vais mettre de la graisse Ongula, graisse que vous connaissez bien maintenant puisque je vous en parle très régulièrement. J'adore vraiment ces graisses parce qu'elles sont naturelles, elles sont pour tous les types de sabots, que ce soit au printemps, en hiver, chevaux ferrés, chevaux déferrés, etc. Et en plus, c'est toujours naturel, donc vraiment, moi je les adore. Ensuite, lorsqu'elle est vraiment sale de la tête ou qu'elle a beaucoup transpiré, je lui passe une petite lingette, les fameuses lingettes Fesnet. Et pour finir, un petit moment câlin. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'est vrai qu'elle a été courte, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. Et en attendant, je vous dis ciao les cavalos !